marcher. Oh, Héra et Aphrodite, accordez à ma fille la vertu de l'obéissance. Porteuse d'aigle, ta venue honore ce temple. Si je peux me permettre, j'ai un petit souci à te soumettre. Je ne suis pas un souci. Je suis une Spartiate, que tu as consignée à la surveillance de paysans. Mes frères ont bien le droit de parcourir le monde, alors pourquoi pas moi? Tu es une voyageuse? Ah, tu es la porteuse d'aigle. J'espère que tu es à la hauteur de ta réputation. Mon nom est Zophéras. Pourrais-tu apprendre à ma fille à se comporter comme on l'attend d'une femme spartiate? Si Zophéras et toi en êtes d'accord, je ferai de ta fille une vraie spartiate. En commençant par sa force physique, bien sûr. C'est le seul moyen pour qu'elle assure la sécurité et la prospérité de ta maison. La porteuse d'aigle a raison, mère. Les femmes spartiates doivent être fortes. Tu peux m'appeler Cassandra. Si la porteuse d'aigle le dit... Très bien. Forme ma fille comme tu l'entendras. Nous allons commencer par la course. Essaie de me suivre. Les Spartiates ne courent jamais. Seuls les lâches le font. Pourquoi m'entraîner à courir? Des jambes musclées donneront plus de force à ta lance. Et les tiennes ont l'air très musclées. Courons à travers le théâtre jusqu'à l'entrée du Dromos. La dernière n'est qu'une vieille chèvre. Contente que tu sois arrivée. La prochaine fois, je te battrai. Maintenant, la course à cheval. Mais pas comme au jeu athlétique. On va faire notre propre parcours. À cheval? Pourquoi s'embêter avec ces bêtes puantes? Il y a des ilotes pour ça. Un cheval, c'est avant tout du muscle et de la puissance. Il faut en avoir eu un entre les jambes pour le savoir. Eh bien, présenté comme ça. À cheval. Faisons la course jusqu'au pont au sud de Sparte. Prête? Allez! Et c'est comme ça qu'on maîtrise une bête. C'était plus de la vitesse que de la maîtrise. Que dis-tu de mes premières leçons, Zophéras? Pas mal. Mais pourquoi m'as-tu prise comme élève? Tu n'as rien de plus passionnant à faire? Des trésors à trouver? Des tyrans à renverser? L'intérêt, c'est qu'en enseignant une compétence à quelqu'un, on améliore aussi sa propre technique. C'est la seule solution pour qu'élèves et professeurs atteignent la perfection. Il va falloir que tu me montres ta technique. Tu as une idée de lieu pour la suite de l'entraînement? J'ai découvert un endroit sur les hauteurs du sud où la vue est merveilleuse. Ça te dirait d'y venir avec moi? Ce qu'on voit ici me plaît. Il te suit vraiment partout? Icaros? Oui, il aime garder un œil sur moi. Tu es jalouse? Si ça ne te gêne pas qu'on te regarde, moi non plus. Zeus t'a-t-il offert des pouvoirs divins? Comme à Achille son invincibilité?
À Héraclès, sa force est toute puissante. Ah, si tu connais les vieilles histoires, tu sais que Zeus a d'autres talents. Ah, si tu as les mêmes, tu as le droit de m'appeler Pandore. C'est beau, n'est-ce pas? Magnifique. Je crois que je commence à te comprendre, Cassandra. Vraiment? Alors, dis-moi qui je suis. Tu réponds à toutes mes questions avec tant de passion et tellement d'autorité. Tu aimes diriger, n'est-ce pas? Tu as peut-être raison. Mais sérieusement, pourquoi m'as-tu amenée ici? Je me suis dit que nous pourrions passer à un entraînement plus intense, Cassandra. S'il te reste un peu d'énergie. Très bien. Passons à la suite du programme. Tu m'as donné envie de m'entraîner davantage. La magistrate Xanthe m'a dit que tu avais des difficultés à tenir ta ferme. De mauvaises récoltes. Comme si Eris avait salé la terre. Qu'arrive-t-il à tes cultures? Elles sont malades. Peu de plants poussent et ceux qui y parviennent sont faibles et couverts de taches. Des dieux satisfaits ne permettraient jamais une chose pareille. Ce sont mes ilotes, à n'en pas douter. Tu es une messagère de Zeus. Montre-leur la lumière. Je vais découvrir ce qui se passe. Zeus soit loué. Mes ilotes, Teuta et Maron travaillent au champ, mais ils ne respectent pas les dieux. Va leur apprendre. Tu es la seule ferme de la région dont les cultures se portent mal. D'où cela peut-il provenir? Le grain a trop peu poussé et s'est desséché, puis les animaux sont tombés malades. Ce sont les signes d'un déplaisir de Perséphone, ou de sa mère. Maron dit que les bêtes ont été empoisonnées, mais je ne me connais pas d'ennemis. Pourquoi accuses-tu tes ilotes des malheurs qui te frappent? Ils s'en sont pris aux cultures ou aux animaux? Ils ne prient pas comme toi et moi. Chaque soir, je remercie Déméter de ses bienfaits. Eux se contentent de récolter le fruit de son labeur. Donc, une intervention divine. Ce sont les dieux qui dictent notre sort. Teuta ne cesse de parler du sol. Elle pense que je demande trop à la terre. L'idiote, cette ferme est dans ma famille depuis des générations. Je vais aller voir tes ilotes et les interroger. De la menthe? J'en ai ramassé en chemin. Je n'ai vu qu'une seule fois une terre aussi malade et désolée que le Lopin du Fond. Cela avait coûté sa ferme à mon ancien maître. Je n'oublierai jamais cette odeur. Le Lopin du Fond? Je vais aller voir ça. Difficile à croire que quelque chose puisse pousser avec tout ce qu'il y a sur ce champ.
Pour faire du cuir, les tanneurs de Kefalonia utilisent quelque chose de nauséabond. C'est mauvais pour la terre. La terre est tachée ici. C'est sûrement mauvais pour le sol. Je crois bien que le feu est le seul moyen d'en finir avec ça. Je pense à tout ce que je dois nettoyer par ici. Je commence à comprendre la colère de Teuta. Mystios ? Kéré, ta maîtresse prétend que cette maladie est le fait des dieux. Mais toi, qu'en penses-tu ? Parfois, ça pousse mal. Ça peut venir de la sécheresse. Ou des insectes. Enfin, c'est triste pour cet âne. Il était plus utile à cette ferme que notre maîtresse. Ou que toi. Si tu veux te battre, Ilotte, continue comme ça. Ne te gêne pas! Tout le monde cherche un prétexte pour battre un Ilotte. Ah, crevez Tu as prouvé ta valeur en tant que Spartiate. Tu cognes dur. Quelque chose en amont donne un goût de lame rouillée à toute l'eau. À l'eau ? Je vais aller voir ça. J'espère que ton voyage sur le Styx sera plus paisible que ta mort. Des débris se sont peut-être coincés dans ce filet. Ça ne ressemble pas à des blessures causées par un couteau. Je parie que c'est le métal de l'armure qui donne un mauvais goût à l'eau. Oh, je vais avoir du mal à me débarrasser de cette odeur. Mais au moins, la rivière est propre maintenant. Les plants malades ont été brûlés et la rivière a été nettoyée. Tu devrais voir la fin de cette maladie. Oh, tu es un don des dieux. Quelle était la source du mal ?
Tu étais si occupé à solliciter le ciel que tu as ignoré ce que tu avais sous les yeux. Ce n'est pas aux dieux qu'il appartient de nettoyer les champs et la rivière, mais à toi. Quoi ? Comment oses-tu ? Xan t'a dit que tu étais un agent de Zeus, mais tu es aussi mécréante que mes ilotes. Disparais ! Le poison dans tes champs n'est rien à côté de celui que tu as dans le cœur. Ne serais-tu pas la porteuse d'aigle par hasard ? Moi ? Eh bien, si. Les mots ne te font pas justice. Ta chevelure a dû être tissée par Athéna. Ton corps est digne d'une sculpture de maître. Tes bras ont l'air forts. Assez forts pour... Assez forts pour... Assez fort pour porter ce panier à mon mari, Kalibos. Oh, je vois. La magistrate m'a parlé de toi.